zali koluka bapa tena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout pour qu'on puisse nous donner lecture de la parole. Voilà tout Nicolo, Batangeli Biso Malobananza. Le message de ce matin sera tiré du livre d'Exode. Sangonatongo na lelo ekozwa mala mokanda d'Exode. Chapitre 16. Chapitre 16. Verset 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent les camps. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Je crois que avec l'aide de Dieu, ce matin, nous allons partager un sujet utile pour chacun de nous. Notre thème, c'est les cailles et la manne. Donc les cailles, ce sont les oiseaux. Bandeke. Et la manne, c'est la nourriture qu'on mangea dans le désert. Yango, est-ce que nous pouvons acclamer? Tokoki, kobeta maboko malamu. Mais avant d'aborder où avant d'entrer dans le fond de la question, je pense qu'une mise au point historique s'impose. À la sortie des Juifs du pays d'Égypte, le Seigneur leur avait demandé de commencer à compter les mois à partir de leur sortie. Et ils quittèrent par la voie de Ramsès. Mais lorsqu'ils firent la marche dans le désert, ils avaient constaté qu'il y avait une différence dans leur façon de vivre. C'est ainsi que lorsque vous lisez le chapitre 16, à partir de son premier chapitre, on nous dit exactement ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël étant partie de Lim, vint au désert de Sin, qui est entre Elim et Sinaï. Au 15e jour, disait comme moi, après leur sortie du pays d'Égypte. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit savoir s'arrêter et faire le bilan dans sa vie. Et c'est ce qui va lui permettre de savoir s'il est toujours dans la bonne direction. Et lorsque vous tenez compte de cette date et de celle qui il y avait marqué leur sortie d'Égypte, ils venaient de s'écouler pratiquement 30 jours. 30 jours. Alors les enfants d'Israël étaient habitués à rouler carrosse. Alors, ils constatèrent que les choses avaient changé. Manger était devenu difficile. Tout commençait à se compliquer dans leur vie. La Bible dit ceci. Qu'ils se concertèrent. Ils commençaient à dire, mais quelle est cette voie que nous avons empruntée maintenant? Parce que c'est vrai que en Égypte, on nous fouettait. Mais nous mangeons quand même. Mais quelle est cette histoire où même la nourriture devient difficile? Et Dieu aime des gens comme ça qui ne se moquent pas de lui mais qui posent leurs problèmes de manière.
Ce n'est pas parce que nous prêchons la sanctification que nous devons être les plus malheureux de la terre. À ce moment-là, le christianisme ne nous aura servi à rien. Et les gens qui se moquaient des Égyptiens apparemment ne connaissaient pas les affaires de Dieu. Parce que la même réaction, on la constata chez Pierre. Pierre qui était le premier pape de l'église. Mais à un certain moment, sa femme était habituée à préparer du poisson. Mais quand ils ont rencontré Jésus, c'était toujours déversé. Alors, Pierre, ça c'est moi qui le pense. Très dérangé par sa femme la nuit.